Ben, je pense un petit peu moins que Geneviève, je pense. Oui, non, effectivement, écoute, oui, c'est très difficile. On adore c'est, Geneviève. C'est difficile de ne... Mais oui, Geneviève a beaucoup de difficultés au niveau de la note. Médias sociaux avec Valérie. Dans sa douche, ouais. Oui, je suis dans l'esprit du temps des fêtes depuis le début de la semaine. C'est comme ça que vous voulez. Ben oui. Mais je ne vous parle pas de l'esprit du temps des fêtes. Je vous parle plutôt de basketball et de LeBron James parce que monsieur a décidé de faire l'acquisition d'une deuxième maison donc, ben du côté oui. de Los Angeles. On est loin du chèque à petit. Ben oui, tout le monde peut coucher, j'imagine. Moi, si j'avais une maison comme ça, je ne fais pas juste recevoir. Là, je pense que j'aurais... Ah oui, c'est sûr. Et ce qu'il a fait dire à un de nos caméramans ici, là, ça ressemble à chez nous. Ah, ben oui, c'est ça. Hein? Ben, il est chanceux, écoute. C'est payant. C'est payant être caméraman. Ben, c'est ça. Si ça pleure, ça ressemblait à chez eux, tant mieux. Rapidement aussi, je vous parle de Steph Curry parce que vous savez qu'il a des routines d'avant-match quand même très particulières. Il est très, très renommé aussi pour son dribblage. Ben, voilà, il y a un jeune qui... Là, vous allez voir la séquence de Curry au début, qui fait toujours, toujours cette séquence-là avant un match. Oui. Et là, regardez bien ce qu'il fait comme mouvement et regardez bien le jeune tout juste après, qui le copie presque. Alors, évidemment, il est une inspiration. Hein, le joueur vedette de des Warriors, de Golden State. Ben, voilà, ça en inspire plusieurs. Mais c'est pas facile de faire ça. Non. Non, je... la maison. Ça... Honnêtement, là, la rapidité qu'il a... Mario Tremblay faisait ça avant chaque match, lui, quand il était... Oui, vous allez lui en parler tantôt. Pour vrai? Oui, en patin. Il en patin. En plus. En plus. Oui, on va lui en parler, justement. Mario, t'es avec nous un petit peu plus tard. Pour...